des créatures sanguinaires qui ont l'air de se rapprocher. Ils ont l'air de sortir des miroirs, d'après ce qu'on a vu, et ils se dirigent en direction de la forteresse. Oh. Ok, bah dès que je mets mon armure et tout. Ah bah ouais, pareil, là on est à fond là, motivé. Et ensuite, j'essaie de retrouver Akos ou les pitaf, enfin, pour savoir un petit peu d'où ils viennent, comment les défenses sont organisées et où est-ce qu'on peut être le plus utile. Okay. Moi, j'invoque ma chouette. Si, ouais, ta chouette n'est pas revenue. Ma chouette, si elle n'est pas, pas revenue, bah, du coup, ça prend quand même une heure de la réinvoquer. En fait, on a été réveillé par le bruit ou on s'est non, réveillé vous avez avant? été réveillé par le bruit. Ok. Bon, pas le temps de réinvoquer la chouette, donc tant pis. Tant pis, bah, je cours et j'essaie de trouver quelqu'un que je connais qui puisse m'expliquer. Bah, qu'est-ce qui nous vient dessus, quoi. Bah, tu vas tomber sur Akos, qui va te dire la même chose en fait. Ils ont repéré des hordes de monstres, des diables pour la plupart, mais également des wargs. Des Ankheg, enfin ce qu'il vous décrit comme étant des Ankheg également, qui sortent des miroirs, de différents miroirs un peu partout dans la forêt, et qui se dirigent tous en direction de la forteresse, pour attaquer la forteresse. Et où Et en est-on du renforcement de la forteresse? on a fait ce qu'on a pu, j'ai mis un maximum de gardes au niveau des portes, mais je sais pas combien de temps ça va pouvoir tenir. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on va dans les forêts pour essayer de détruire les miroirs? Ou est-ce qu'on défend la forteresse? Je pense que c'est trop tard pour les miroirs. S'ils attaquent, c'est que toutes leurs troupes sont là. Ok. Alors, vous marchez dans le couloir, en fait, vous allez tomber à un moment donné sur Timéné, qui va vous expliquer la situation. Elle va vous indiquer que la forteresse commence à être prise d'assaut. Ok. Que certains groupes de monstres ont commencé à attaquer un petit peu les environs de la forteresse, les différents points que vous voyez là. Le point numéro 1, qui se trouve ici en bas à gauche, ce sont les dépendances, donc ce sont les écuries, la forge, quelques maisons d'artisans, il y a quelques serviteurs qui travaillent là. Et on vous indique qu'il y a des créatures qui ont commencé à attaquer les gens qui se trouvaient là-bas. Au point numéro 2, ce sont des ruines et on a repéré également une activité dans ces ruines-là qui sont censées être totalement abandonnées. Dans le point numéro 3, ce sont également des ruines et même chose, on a vu des créatures qui étaient en train de se déplacer un peu à l'abri de tout. Le numéro 4, qui est tout en haut, c'est les ruines d'un temple. Également, et pareil, on a vu de l'activité qui se passait là-bas. Le point numéro 5, c'est un camp d'entraînement où il y a quelques soldats encore qui n'ont pas eu le temps de rejoindre la forteresse qui dormait sur place. Et ensuite, vous avez les bois qui sont tout autour de la forteresse, mais principalement en bois. Le point numéro 6, les éclaireurs qui sont sur les murailles ont vu des créatures se déplacer là-dedans. Le point 7, c'est le passage principal, donc c'est une artère dégagée. C'est par là en fait où vous arrivez, vous rentrez. À chaque fois que vous avez quitté la forteresse, c'est par là que vous êtes passé pour accéder aux différentes zones. Et puis après, le reste, 8, 9 et 10, ce sont des zones à l'intérieur de la forteresse, mais nous n'y sommes pas encore. Hop. Bah, il faut aller réveiller les soldats, non? Je pense qu'il faut qu'on. Je pense qu'il faut qu'on aille protéger au maximum les gens qui sont à l'extérieur de la forteresse. Ouais, les Donc villageois. aller chercher les soldats restants. C'est ce qu'on aura de plus efficace à faire. Oh, 1. Le numéro 1, vous allez au niveau du numéro 1. Bah, numéro 1 et 5, okay. Ouais, 1 et 5, ouais. Alors, numéro 1 ouais. et 5. Vous sortez et vous voyez qu'il y a quelques garnisons de soldats dans la cour centrale du château. Donc chaque token que vous voyez là représente à peu près une dizaine d'unités
environ moins, donc c'est des petites garnisons. Vous avez les dryades qui sont arrivées et qui sont là. Donc vous avez chacun, enfin vous avez chaque token en fait que vous pouvez choisir de mettre ou pour vous accompagner ou pour renforcer une zone de la forteresse. Donc ils attendent, ils sont là, ils attendent vos ordres. Ktimene vous a donné les points pouvoir pendant que elle s'occupait avec quelques gardes du corps de vérifier les différentes zones, mais elle vous a donné pour instruction de trouver l'endroit où positionner ces différents soldats. Donc la partie qui est à droite, là, ce sont les portes de la forteresse et le donjon qui ici. Alors je vais juste déplacer le token pour vous montrer. Donc là où il y a Aldine, là que je suis en train de déplacer, c'est les tours où vous avez notamment les bureaux de Ktimene. Et là, à ce niveau-là, ce sont les murailles qui donnent sur les portes. Qui manage la stratégie? Moi, je peux essayer de m'en occuper. En tout cas, je peux galvaniser les troupes. Concrètement, mettre des unités à distance sur les murailles. Aux endroits stratégiques. Ouais. Donc l'entrée principale, parce que s'ils défoncent les grosses portes, ils peuvent arriver en nombre. Donc c'est des murailles tout autour. Ouais, il y a des murailles tout autour. Alors, je vais juste vous changer les tokens pour que ça soit un peu plus visible. Donc, on va mettre. Hop. Voilà. On va faire ça. C'est-à-dire que vous avez 6 unités de garde classique. Vous avez 6 unités. Oula, c'était pas celui-là qu'il me fallait. Vous avez 6 unités de dryade et vous avez 6 unités de tireurs. Les tireurs étant ceux que je viens de rajouter là. Avec des haches, c'est des tireurs. Ouais, voilà, ce qui est pas logique, mais je n'avais pas spécialement prévu que vous auriez des tireurs. Les dryades, elles tirent. Sachant que les dryades C'est peuvent vrai. tirer tout à fait, elles sont hybrides, elles font un petit peu les deux, peuvent faire un peu de magie. Ça, c'est les tokens de si jamais vous aviez réussi à rallier les villageois à votre cause, ce qui n'a pas été le cas. D'accord. 3, 4, 5, 6. Moi, je peux deux régiments de tireurs au-dessus de l'entrée principale. J'imagine qu'il y a des Ouais. meurtrières, des choses qui leur permettent Donc de là et viser là. l'extérieur. Et il en reste 4. Je propose de les poster tout autour sur les murs. Mettre des dryades au milieu là, ici. Oui, Voilà. je suis pas encore au Pardon. Ok, dryade. d'accord. Oui, excusez, pardon. Je fais régiment par régiment. Mais Ok, enfin, ok, dites-moi si ok. vous avez d'autres idées, hein. Moi, je pense en fait qu'il faut surtout essayer de couvrir l'ensemble de la forteresse, parce que si on mobilise tout sur un seul côté, on va se faire prendre à revers. Je propose de mettre des régiments tout autour, donc concrètement aux quatre coins de la forteresse à peu près, en les décalant légèrement d'un cran pour qu'ils puissent voir tout ce qui se passe. Sachant que Donc en ceux que tu gros. mets, ceux que tu mets en bas, venir sur la porte s'il y a besoin. Comme ça? Ce que je mets en De bas. toute façon, Ouais, ceux qu'on met ça me sur le mur semble du pas bas. mal. Ça me semble pas mal. Je propose. Je propose qu'en fait, on va faire beaucoup plus simple, c'est-à-dire que vous Ouais, allez, j'étais en train de me demander si je pouvais les déplacer. voilà, vous avez tous les droits pour cela. Vous avez normalement. Voilà, tous les droits pour les gardes, pour les villageois combatifs. Et je vous mets les droits pour les dryades. Donc normalement, vous pouvez tout déplacer, si je ne dis pas de bêtises. Yes. Donc moi, je suggère de mettre trois dryades Ouais. avec, enfin trois régiments de dryades avec des arcs au milieu des murailles. Comme ça fait trois régiments qui sont au corps à corps si nécessaire. Est-ce qu'il y a, mis à part l'entrée principale, est-ce qu'il y a un autre endroit de la forteresse qui est plus ou moins exposé qu'un autre, ou est-ce que C'est des murailles tout autour. Dans ce cas, je pense que les autres. On pourrait pas en mettre genre une genre assez en hauteur. Bah, sur le donjon, c'est le plus haut, peut-être, ouais. Effectivement, pour qu'elle puisse monitorer. Si jamais, je pense qu'il faut aussi mettre. Moi, je renforcerai chaque régiment de dryades. Si jamais il y a des machins qui escaladent les murs, les archers vont se faire défoncer.
Ouais. Donc c'est bien d'avoir des régiments pour les soutenir. Moi, je dirais des dryades au niveau de la porte, peut-être. Ouais. Moi, je dirais faut effectivement essayer de protéger la porte. Moi, je dirais qu'on devrait aussi en avoir, nous, quand on va défoncer les autres corps. Oui, ça peut être bien d'avoir des gens avec nous, sachant que ouais, moi vu ma formation, etc., je peux diriger les troupes, je peux motiver les troupes. Donc effectivement, si j'ai des gens avec moi, je peux les rendre plus efficaces. Alors, on peut prendre un au niveau de la porte, et ça laisse 3 régiments de fantassins, on peut en laisser 2 dans la forteresse. Sachant que l'idée, est-ce que Ktimene nous a dit qu'il fallait défendre la forteresse? Ou est-ce que l'idée c'est de gérer les défenses et ensuite nous d'aller dehors pour défroyer les gens? Elle ne vous a rien dit. Elle vous a dit que vous étiez en charge de la répartition des soldats, mais l'idée c'était quand même d'aller aider aussi ce qui se passait à l'extérieur si besoin. Oui, c'est vrai qu'il y a des trucs. Effectivement, oui, si on va chercher les soldats et les artisans, il vaut mieux y aller avec des soldats. Effectivement. Bah, on peut prendre un régiment de dryades et 3 régiments à pied. On fout des dryades. Attends, je fais des dryades au niveau de la porte. Ouais. Genre là. L'est de l'intérieur, mais. Et puis ensuite, rapidement. Et nous, on prend les 4. Et on prend les 4 qui restent. Sachant qu'il y a des soldats normalement au point numéro 5. C'est ça, envoyer les fantassins. Limite, on peut envoyer les fantassins qui restent au 1 et aller libérer le point numéro 5 pour récupérer les fantassins pour ensuite. Aider le point numéro 1 et renforcer toute l'équipe. En fait, on peut peut-être agir sur les deux tableaux. Ouais. C'est pas con. Après, si tout est attaqué en même temps, est-ce que c'est pas un peu risqué d'envoyer pour aider des artisans, ils vont se faire pilonner, les gars. Donc, soit on se sépare. Donc, parmi nous, il y en a 2 qui vont voir les artisans, 2 qui vont voir les soldats, et ensuite on se retrouve. Soit on va tous au même endroit, quitte à ce que l'un des endroits se fasse démolir parce qu'on n'est pas là. Quoi. Je serais ravi de manager 2 groupes différents sur 2 maps différentes. J'avoue. C'est pas faux. Non, mais si c'est votre plan, moi ça me pose pas de soucis. Hein. Moi je dirais allez réveiller les soldats pour avoir les soldats. Je pense qu'ils sont réveillés, mais ils sont en train de se faire attaquer. C'est-à-dire qu'il faut choisir entre les deux, mais c'est ce qui va nous être plus utile. C'est vrai. Moi je suis pas trop pour laisser tomber les pauvres gus qui sont les pauvres arts. C'est pour ça que je me dis peut-être que les soldats on peut les sauver à nous quatre ou à nous quatre plus un régiment et que les devraient tenir le temps qu'on arrive, mais je me rends pas compte de la force d'un régiment C'est un régiment d'une dizaine de soldats. Ce sont des soldats qui sont entraînés. Ils sont presque 30, tu vois, 30 ils peuvent peut-être tenir un peu. 30 ça fait mais bon. Beaucoup. Okay. Ça fait vraiment beaucoup. C'est quand même beaucoup, tu vois, donc... 30, c'est presque une 30 armée, bus pour te pour 30 ouais. bus pour tenir, pour essayer un site le temps qu'on revienne. Ouais. Il y a peut-être moyen que ça passe, quand même. Sachant qu'on aura 10 dryades avec nous, je sais pas. Ok. Faisons ça, alors. Envoyons les soldats. Si ça peut vous aider à prendre votre décision, sachez que moi je vais me concentrer uniquement sur ce que vous allez faire vous et ce qui va vous accompagner, ça va être de la cinématique à côté. Donc j'attrai juste un dé pour savoir si ça survit ou si ça meurt. Mais je gérerai pas des rounds de combat pour ça. Non, bien sûr. Ça ne vous apportera pas de bonus spécifique pour le coup. D'apporter des gens, c'est juste que ça vous permettra de vous concentrer sur certaines tâches plutôt que sur d'autres. D'accord. On envoie parce que on est en train de complètement ignorer les ruines, cela dit, hein, et vu l'expérience qu'on a, c'est là qu'ils foutent les miroirs, donc ça se trouve ils vont avoir des renforts. On peut le savoir d'ici. On doit être capable de voir Depuis les murailles ce qui se passe autour ou pas. Vous voyez ce qui est assez proche, les ruines avec une bonne vue, vous pourriez voir effectivement. Ça fait peut-être un peu loin à l'œil nu, mais. Si on monte tout en haut de la tour là, de Ktimene, peut-être qu'on peut voir. Vous pouvez voir depuis la tour de Ktimene. Vous montez la tour ? Pas tous, mais des lèvres par exemple. D'accord. Petit, léger et dextre. Tu ne vois pas de miroir,
Par contre, tu vois qu'il y a il y a du mouvement, c'est un peu loin et c'est un peu petit pour savoir ce que c'est exactement, mais par contre, tu vois qu'il y a des créatures qui ont l'air d'être là-bas. On a toujours on a plus la longue vue là qu'on avait empruntée. Ah si, si, on l'a toujours, je crois. J'ai toujours la longue vue au mieux. Donc il y a du mouvement, mais il n'y a pas l'air d'avoir de miroir. Ouais. Tu prends ta longue vue. Prends la longue vue. Tu vois qu'il y a un diable qui est accompagné de deux ankeg. Alors un régiment de diables et un régiment de d'ankeg. En fait, il y a un diable et deux ankeg. Sachez que si vous prenez des soldats avec vous, ça sera un régiment de diables et un régiment d'ankeg. Voilà. Mais en tout cas, d'accord, pour vous, juste pour que ça soit plus simple d'un point de vue narratif, je considérerais qu'il y a une unité de chaque à chaque fois. D'accord. Donc là, il y a un diable avec deux ankeg. Ok. Okay. Bon. Dans tous les cas, okay, il faut qu'on aille donc libérer la garnison. Ouais. On pourra passer par les ruines. Il y a de la garnison, ouais. Ouais. Bah, en fait, j'en profite pour regarder les différents points pour voir. Donc, tu vois, genre, ouais, si la garnison, tout est en train de cramer et les mecs sont en train de se faire égorger, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il y a des flammes partout. Plus vous perdez de temps à regarder, à observer tout ça, et puis vous voyez que les créatures qui sont aux alentours de la forteresse se dirigent en direction de la forteresse. Très clairement, sur le point 1 et sur le point numéro 5, il y a des flammes dans tous les sens. Vous entendez, de là où vous êtes, vous commencez même à entendre déjà le bruit des épées, le bruit des armes. Okay. Bon, bah, ne perdons pas de temps. N'essayons pas d'affronter les ennemis à l'extérieur. Allons récupérer les gens qu'on peut. Ouais. Au village et à la garnison. Revenons avec eux dans la forteresse. À mon avis, l'ennemi est suffisamment nombreux. En tout cas, il attaque de plusieurs côtés. Donc, il ne faut pas chercher à aller les affronter à l'extérieur. Il faut consolider la forteresse. Ouais, alors, quelle est votre première direction? La garnison, le 5? Donc, ouais, on envoie donc 3 régiments de soldats en 1 pour essayer, avec comme ordre, de récupérer des civils et de les ramener, de les escorter à la forteresse. Ok. Donc 3 qui partent là. Ouais. Et okay, nous, avec un régiment de dryades, on va en 5. Tout à fait. Et avec un régiment de dryades, vous allez en 5. Alors. Hop. Alors attendez, je fais juste une petite manip. Voilà, ça devrait être un peu mieux comme ça. Dans l'opercule. Et je vais juste mettre un régiment de dryades. Oh, vin dieu. Enfin, oh là, oh. Du vin dieu, oui, tout à fait, du vin dieu. Ah là là. Vous arrivez du coup au niveau. Pardon, je gère le stream en même temps. Vous arrivez au niveau du camp d'entraînement où vous voyez du coup 5 ankeg. Qui sont en train d'envahir la zone, de tout détruire sur leur passage. Deux d'entre elles sont en train de se battre avec des soldats et n'ont pas du tout fait attention à vous, mais au moment où vous arrivez, en fait, vous voyez les 3 autres qui se retournent pour vous attaquer. La dryade, en voyant ça, va se jeter pour aider les gardes. Hop. Voilà. Et donc, ça va être l'heure de l'initiative. Tout à fait. Initiative. Ça va être l'heure de mûrir. Mais moi, non, je peux faire oh avec putain. Les... Moi, j'ai ma blessure. Bah c'est oui. Quoi cette blague? Je sais pas si ça va marcher, par contre. Est-ce que tu veux que je le lance juste en mode D20 avec des avantages? Ouais, vas-y, vas-y. Je vais lancer 2 D20. Enfin, oui, je vais lancer 2 D20, déjà. Hop, eh bien, ce sera un 3. C'est formidable. Alors 3 plus, j'ai combien en 0, donc 3. 3 plus 0, c'est parfait. Très bien, bah c'était oh Aldi de commencer. 4... Moi c'est 13. Je fais toujours de très belles initiatives. Lui, il est trop loin, du coup je vais au plus proche. Ok. Et puis bah, je vais taper. Je Ouh la poule.
Parce que dis ça. Alors, tu as fait 26 pour toucher celle qui est là. Tu touches et tu fais même un critique. Ah, oh, ça c'est bon ça. On aime. Je lance 2 dés parce que je suis un demi-orc. Voilà. Oh, nice. 30. 10. 20. 20 dégâts. Dégâts. Ouais. N'oubliez pas de sélectionner les tokens, du coup. Ouais. C'est quoi, c'est... Bah, tu sélectionnes et normalement, quand tu lances ton attaque, c'est censé les déduire. Tu prends la petite cible sur la gauche, là, dans ton petit menu, et tu sélectionnes la cible que tu veux cibler. Ah, hein, ah d'accord, il y a une option spéciale pour ça. Il y a une cible target. Select targets. Bah écoutez, attends, je ne sais même pas où vous voyez ça, mais ok. Bah t'as si on le voit, enfin t'as sur les icônes en haut à gauche, t'as le bonhomme, t'as le cadre, en dessous t'as l'équerre et t'as la cible. Du coup. Bon. Bah, je le vois sur le stream, c'est bizarre. Bon. Deuxième attaque. Oh. Ah, ouais, c'est moins bien effectivement, tu vas taper la carapace de la créature. Du coup, troisième attaque. Tu vas toucher, ce n'est pas un critique, mais tu vas toucher. Toucher. Et... Ok, bon, tu vois que t'as fait extrêmement mal à la créature. Tu fais autre chose? Non, ça a décompté les points ou pas en non, fait je les ai enlevés moi, c'est pas grave. Okay. Très bien, et eh bien la créature que tu viens d'attaquer va te. Tu vas me faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Ok, c'est tout juste réussi. Voilà. Très bien, tu vas donc te prendre la moitié de 3d6. Oh. Ah oui, ça ne déconne pas. J'ai fait 15, donc tu te prends la moitié de 15. C'est pour la première, la deuxième, 19 mètres, ça me fait un peu beaucoup. 15, hein. La moitié de 15. T'as dit 15 7, ok. Je peux pas accéder au menu de mon perso. Voilà. Quoi? T'as pas la main? Si mon perso, je peux pas avoir les clics droits ou autres, je peux pas rien faire. Comment ça, t'as pas accès à ton perso? Si, j'ai accès, je peux juste le bouger. Et tu t'accèdes pas à ta fiche, non? Si, avec la fiche, mais je pouvais le faire directement sur le token. Tu fais clic droit sur ton token, Ah, je vais le faire sur ma fiche. Très bien, et eh bien je suis navré. Finskull, je suis navré. Mais toi aussi, tu vas me faire un jet de sauvegarde de dextérité. Mais sérieux? Bah, t'es tout droit, quoi. La dextérité, c'est tellement mon fort. Donc là, pas de désavantage. Non. Des familles. Donc tu vas te prendre les dégâts max, tu vas te prendre 13 points de dégâts. D'acide, ce sont des dégâts d'acide, je précise. C'est un jet de... Est-ce que ça fait quelque chose de spécial, ça? Si tu as une résistance pour les dégâts d'acide, mais normalement non. 9. Ok. Alors, je vais lancer un D4. Pair c'est sur Deneb, impair c'est sur Corée. Je fais 1, donc c'est sur Corée, donc tu vas également me faire un jet de sauvegarde de dextérité, Corée, s'il te plaît. Putain. C'est un jet d'attaque, parce que moi j'ai ma réaction qui fait un dé. Ah, c'est un jet de sauvegarde. Ouais, la créature fait pas de jet d'attaque, parce que si je vois qu'elle fait un truc, je protège Corée. Non, c'est un jet de sauvegarde d'attaque. Est-ce que j'ai un truc pour ça d'ailleurs? Damn. Putain, parfait. On remarquera que sur un fumble, elle fait le même score que moi. Donc, hein, on est. Voilà, voilà ce que vous prenez depuis tout à l'heure. Hop. Ouais, tu te prends. C'est sale, arrête. Tu te prends 12 points de dégâts, du coup, José. Enfin, Corée, pardon. Et c'est à Deneb de jouer. Ah non, pas plus 12 mètres. Ben, vous l'attendiez avec impatience. La Deneb bombe? Non, bah non. Oh, mince. L'ennemi du MJ
Les modifiés hypnotiques. Les modifiés hypnotiques. Attends, t'en as que deux, c'est la loose. Pourquoi j'ai l'impression que je puisse choper les trois? Ah merde, bah, je l'ai mal placé alors. Tant pis. Parce que là je peux. Tant pis, hey, laisse-moi jouer un peu, ok. Normalement, aussi. Je peux choper. normalement, je peux complètement choper le troisième. Et bah tant pis, c'est que tu as mal visé dans le feu de l'action. Exactement. Bâtard. Ça va, c'est bon, je peux jouer aussi un peu, non? De toute façon, il y en a un seul qui s'endort. Ouais, donc celui qui est en haut est totalement. Celui qui est au contact de d'Aldine est totalement hypnotisé. Arrête de taper! J'ai tu finis le tapis. Oui, bah tu finiras tout à l'heure et tu vas te concentrer sur quelqu'un d'autre. Exactement. Tu fais autre chose? Bah non, je fais rien d'autre. Ok. Je m'écarte un peu de. Corée, c'est à toi. De Corée, parce que c'est jamais une bonne idée de okay. Tous rester au même endroit. C'est parti, donc je vise lui. Celui d'en bas? Ouais. Ok. Lui, ah, celui là. Qui est en face, d'accord. Okay. Normalement, je l'ai. Ouais, celui qui est en face. Il t'a craché dessus. Exactement. Alors que je n'ai pas donné mon consentement. Ce n'est pas bien. Pas de consentement, pas de boucaquet. Je tiens à le dire. Je lui fous ma marque du chasseur sur la chetron. Ouais. Et ensuite, je vais y décocher. Voilà. Parce que. Faut pas déconner. Parce que pourquoi pas. Parce que voilà. Ça touche. Why the parking tu, fais, tu lui fais ça des, fait 7. Des... C'est déduit. C'est bien quand vous sélectionnez, j'ai plus rien voilà. À faire. Voilà. Ensuite, donc je mets un D6, c'est ça? Pour la marque du chef. C'est un D6, ouais, que tu vois. Dadidadidadidou. Ouais, c'est un D6 supplémentaire. Hop là. Plus dans sa joli. Gueule. Mais là, c'est pas le faire parce que c'est un dé à part. C'est pas... Ouais, j'ai déduit, j'ai enlevé. Ok. Et je refais mon attaque. Une autre attaque. Bah, vas-y. J'ai oui, deux oui, attaques. T'as, non t'as deux attaques. C'est ça. Et ben, on est parti. Ça va toucher aussi. Voilà. Et je sors. Exactement. Voilà. Oh. Et on est bon. Oh. Très bien. Et là, je suis là, genre. Tu sais, genre, je suis avec la scie, genre, ah, ça l'enfoiré, ça. C'est ta vie, Scold. Ouais, juste, elle a fait un critique voilà. Sur 16, non. Ah, sur 26, pardon, si, non, sur 26, 26 excuse-moi, j'avais vu 16. Sur 26, oui, ça fait critique. Ça fait critique, donc j'ai un D8 supplémentaire. Et un D6. Et un D6, wouh. Dommage de rater ça. Bien sûr. Ouais. Ah. Et moins 8. 5. Allez. C'est bon ça. Yeah. Est-ce que je l'ai transpercé ou pas? Non. Tu l'as pas transpercé, par contre tu l'as fait extrêmement mal. Et Vince Cold, c'est à toi. Et pendant que vous êtes en train de vous battre, vous voyez que les gardes sont eux aussi en train de se débattre avec les différents enquêtes. Lui il est presque mort. Ce que je vais faire, comme l'autre est trop loin, c'est que je vais me mettre ici et je vais me tenir prêt à lui foutre un gros coup d'épée de Steglade dans sa gueule. Okay. Et dans le même temps, j'encourage Corée. En lui disant ils sont que trois, on a l'avantage de l'ombre et tu ouais auras l'avantage du nombre avant que je rejoue puisque vous vous êtes tous barrés avant que je puisse vous bénir. C'est pas ma faute si je fais l'initiative toute naze. Donc... mais t'inquiète. Très bien, bah c'est à Aldine de nouveau. Donc tu n'attaques pas le mec devant toi. Là il est. Il fait dodo. Il fait dodo. Et celui qui est en dessous de toi a très mal. Ok. Du coup je me déplace. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas sélectionner mon personnage. Bref. Ah c'est bon. Alors du coup je le sélectionne lui et je tape. Je tape. Ah 14 quand même. Tu vas toucher. Là ton petit. Allez, mais je pense qu'on les touche à quoi? À 12? 13? Ouais. Donc
tout cas, à 14, tu as touché. Tu as touché, et non seulement tu l'as touché, mais tu l'as également éclaté. Très bien. Du coup, est-ce que je demande à Denem, est-ce que je peux aller éclater l'autre derrière moi? Ça dépend, il est dans quel état, le... enfin, celui aussi. Qui dort. Ah, celui qui dort pas, il est full. Ah, il dort celui d'en bas est full. Ouais, celui d'en bas est full. Non, ah, il y en a qu'un seul qui dort. Non, garde-le pour la fin, va essayer d'attaquer celui qui est plus bas. Tu peux lancer ton bouclier peut-être. Je peux ouais, ouais, ah, ouais, tu peux carrément y aller. Tu peux aller au cac et lui casser la gueule. Ouais. Je vais aller au cac. Du coup, je vais aller le voir. Sauf si tu. Ah non, t'as déjà attaqué. Ok. Yes. Très bien. Joli. Tu vas toucher. Donc ils ont 14 de CR, pas 13. Je lui fais ma dernière attaque. Et tu vas toucher. Aussi. Tranquille. Enfin, plus vite pour toucher, c'est fort. Guerrière. Très bien. Et bien, c'est à lui de réagir et il va essayer de te frapper. De te frapper. Voilà. Et il va totalement échouer son attaque. Tu as bien de la chance, c'est à Deneb. Deneb, il va pas faire le mariole, il va avancer ici, là, juste au-dessus, pardon. Il va... le Gus qui est là, et il va lancer un rayon le givre. Rayon le givre. Et c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, mais je pense que ça touche. Ça a touché et ça lui a infligé les dégâts. Et donc, une vitesse réduite, mais comme je pense qu'il va pas spécialement bouger. Non, il a extrêmement mal. Voilà, et bah, je termine mon tour. Coré, c'est à toi. Eh ben, c'est parti. Donc, lui, il est très mal en point. Les deux sont très mal. Alors, celui du milieu est mort. Il y a une petite icône de tête de mort. Celui du haut. Et celui du bas, il est très mal en point. Et celui qui dort a très mal aussi, hein, pour information. D'accord, bah écoute, je vais me placer là en diagonale. Hop. Donc je cible celui qui est en bas. Ok. Ici là. Fais pas de double 1. Oui, parce qu'on est tous les trois. Ah oui, là on s'en prend tous une quoi. Allez. Et sachant que l'échec critique, c'est si vous touchez à moins de la CA. Hein. Donc c'est pas nécessairement que 1-1. C'est vrai. Relance un des 20. Tu l'as tué avec ta mèche. Très peu. Ok. Allez! Tu peux finir l'autre. Et bah, effectivement. Est-ce qu'on fait l'action pour le finir ou. Bah, et en vrai, si lui il est en train de dormir, on va taper les deux autres. Hein. Sur une flèche sur les deux autres. Alors, les deux autres en fait sont en train de mourir sous les coups des autres soldats. Hein, qui d'accord. sont en train de bien se débrouiller. Ok. Bah, écoute, bah, je revise celui-ci. Il avait en plus la marque du chasseur puisque je l'ai pas déplacé. Donc bah. Non, il est mort celui dont tu parles. Ah oui, pardon, excuse-moi. Bah, celui qui le remplit. Le seul qui reste, c'est celui qui. Oui, il est déjà mal en point donc tu peux taper dessus et puis. Ok, bah écoute. Ça sera l'une qui finira. Celui qui fait rompiche là, je le vise. Et je lui fais un petit jet d'attaque. Machin truc. Pouf, 16, 11. Très bien. Dis-moi ce qui décris-moi ton action. Donc, constatant que celui d'en bas, bah, ok, je fais un petit saut sur le côté. Je me déplace, je me mets jeté comme ça là. Hop! Et là, je le vise bien dans la gueule là. Bah! Et la flèche va venir se planter entre deux interstices de sa carapace et tu as un espèce de petit liquide verdâtre qui coule pas très loin de ses mandibules et la créature tombe au sol. Et à peu près au même moment, vous voyez que les lances des différents gardes sont en train de percer les carapaces des enquêtes qui restent, qui s'écroulent tous les deux au sol. Voilà, cri de la victoire. Félicitations pour cette victoire. Que faites-vous ? Je me suis senti très utile sur ce combat. Même mon avantage, tu l'as pas utilisé. Alors du coup, là, le but, c'est d'aller regarder vers les artisans si ça se bat toujours, si on voit que les soldats sont en train de faire fuir les civils, enfin, où ça en est, quoi. Et je prends la longue vue pour regarder...
Je prends la longue vue pour regarder l'état en fait des artisans. Alors, et si on voit que c'est réglé, on fait pas les marioles et on retourne direct à la forteresse. Je sais pas. Vous avez l'impression qu'au niveau du premier point, du point 1 des artisans, c'est un peu le statu quo. C'est-à-dire que les soldats ont l'air de résister malgré tout aux attaques. Hop là. Ils ont l'air de résister aux différentes attaques. Ils ont l'air de maintenir un peu la zone. Ils sont un peu surmenés, mais ils ont l'air quand même de s'en sortir. En tout cas pour le moment. Ça va les aider. Deneb, regarde vers la forteresse. S'il y a des démons qui sont déjà en train d'attaquer, si on a le temps d'aller aider les villageois. Je fais ça, je regarde vers la forteresse pour voir s'il y a l'état des défenses et des attaques. Pour l'instant, ça va, la forteresse n'a pas encore été attaquée, les créatures se concentrent surtout sur les zones autour, pour le moment. Ok. Je pense que ça vaut le coup d'aller aider les artisans. Ouais, carrément. La question, c'est est-ce qu'on garde les soldats qu'on vient de sauver, ou est-ce qu'on les renvoie directement à la forteresse, ou est-ce qu'on y va tous ensemble en groupe d'être plus efficace? Moi, j'ai envie de dire, si pour l'instant la forteresse est safe, c'est-à-dire qu'il y a quand même des créatures qui sont autour, et vous avez quand même les soldats qui sont là pour protéger la forteresse. Vous pouvez les emmener avec vous, à vous de voir si c'est vraiment judicieux de venir avec l'intégralité de vos troupes. Non, on peut les envoyer. On peut envoyer quelques-uns sur les ruines ou le bois pour. Pas les ruines. Faut pas les envoyer combattre tout seul à l'extérieur. C'est pour renforcer la forteresse si jamais ça se fait attaquer. L'idée, c'est que en fait, si on y va avec des troupes, on va éliminer ce qu'il y a là-bas plus rapidement et on pourra revenir à la forteresse plus rapidement aussi, tu vois. Donc à la limite, on peut les diviser en deux. Effectivement, on envoie la moitié. Donc là, on en a 6 avec nous en comptant les dryades. On en renvoie 3 à la forteresse. On part avec 3 au village, et puis on ramène le plus de troupes. C'est aussi pour arriver à temps et sauver le plus de troupes possible au village pour renforcer la forteresse derrière, quoi. Ouais, je suis d'accord. Alors, j'ai juste fait une fausse manip qui m'a fait déco de Foundry. Ah, c'est dommage. Donc, c'est en train de charger. Oui, yeah. Hop là, ça y est. hop. Ah. Putain, Flavien, ça c'était le pas de chauffage chez toi avant-hier, ça. Exactement. C'est sale. C'est sale, hein. Pardon, du coup ça marque sous le stream et pas. Ah ouais. Ça m'a défoncé. Je suis arrivé à rentrer chez moi sans chauffage, je mets direct. Ok, c'est très bien. Hop. Du coup, il y a 3 nouvelles unités qui partent. Celle-là. Ok, c'est ça, pardon. Excusez-moi pour cette petite. Ces petites interludes. Donc, vous avez envoyé 3 unités dans la forteresse supplémentaire et vous partez avec 3 autres unités sur le point numéro 1, c'est bien cela? C'est ça. C'est ça. Hop, très bien, le point numéro 1. Les dépendances. Hop là, le voilà. Alors même chose, alors je vais pas les mettre sur le. Je pars du principe que vous avez les unités avec vous. Vous voyez qu'en fait, il y a plusieurs Ankei qui sont en train de se battre toujours avec des soldats, donc vous entendez le fracas, vous voyez les portes. Qui sont barricadés, vous entendez des cris à l'intérieur, vous voyez de temps en temps des coups de lance sur les différents quais qui sont un peu partout dans la zone pour essayer de les repousser. Et vous arrivez au nord. Plop, 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 plop. Vous arrivez au nord et dans le fracas général, vous avez 4 Ankeg qui se retournent. Prêt à vous attaquer et il est temps de commencer le combat. Et moi, je du tout la map. Alors comme j'ai dû relancer, il faut peut-être que vous rechargiez. C'est pas impossible qu'il faut. Ouais, moi j'ai dû recharger. Moi j'arrive à bouger. Il y a des choses qui se passent normalement. C'est bien la première fois. Ouais, j'avoue.
Donc pareil, je lance mes 2d20 pour... Ouais. Oh putain. Eh bien, okay. Je fais 15, je fais une bonne init. Merci. For the first time. Merci, bonsoir. C'est beau. Je suis revenu dans le game un peu, c'est bon. Ah, c'est bon, je commence en premier. Ouais, mais les mecs sont trop loin, donc... C'est vrai. Ah, mais pourquoi il a mis... Pardon. Ah ouais. Je vais... Hop. Excusez-moi. Hop là. Sur le stream, désolé, petite fausse manip, il faut recommencer. Très bien. Eh bien... C'est à Aldin de commencer. Non, bah, je me déplace de... Ouais. Ça, tu pars de chez... tu pars de mon token. Ouais. Ouais. Et... Ah, faut que ça recharge. Ah, bon, voilà, je peux aller là. Trop bien. Est-ce que je... Non, je peux pas monter. Tu peux essayer de monter sur le toit, mais tu vas me faire un jet de dextérité pour y arriver. Non, je sais pas le... Es-tu vraiment sûr? Ça va peut-être drôle. Ça y est. Ok. Est-ce que je... C'est de 9 à 18, je crois. Donc je pense que ouais. Les 9. Ouais, je pense que tu peux là. Oui, tout à fait. Ah là, je vais jeter mon bouclier sur lui. Ok, et bah vas-y. Joli. Tu lui fais une attaque critique. Tu peux relancer ton dégât. Je sais. D4. Un D4, c'est ça? Ouais, c'est ça, un D4. Deux D4, puisque t'es demi-orc. Ah oui, c'est vrai. Tu as raison. Oh. C'est ça. Ok. Très bien. Est-ce que tu fais autre chose? Non, c'est tout. Tu peux préparer une action. Me prépare à attaquer. Ok. Avec mon... Et bah tu vas pouvoir tout de suite attaquer puisque la créature que tu viens va essayer de te frapper. Sachant que tu n'as pas ton bouclier. Mais je fais 7 pour te toucher donc ça ne va pas te toucher. Vous avez la chance, j'ai vraiment pas de chance au dé de manière générale. Ou en réaction je la tape ça. Ouais. Mais une seule attaque par contre. Je crois. Non, peut-être deux attaques. Bah il a une double attaque donc chaque fois qu'il attaque il... Bah non, mais c'est une réaction. Non. Utiliser son action d'attaquer en réaction. Ouais, mais c'est pas la double attaque. Je sais. Je suis pas sûr que ce soit la double attaque. Mais tu, pour le coup, tu refais un critique. De toute façon. Effectivement. Ça fait 16. Comme ça, tu fais 16. Ah oui, ça fait 16, pardon. Je crois que toi, tu faisais 16. Ok, très bien, c'est tout pour ça. Langkek qui est là, ici, va essayer. Le chemin est bloqué, donc en fait il va juste aller derrière. Ok, lui il va se rapprocher. Corée, tu vas me faire un jet de sauvegarde de dextérité. C'est parti. C'est tellement bon. Joli. Tu réussis, tu te prends donc la moitié des dégâts, à savoir... donc j'ai fait 9, donc tu te prends 4 points de dégâts. Ok, et la créature qui est là... Alors, en courant. Oups. Part en courant et fait un dash pour se rapprocher de la zone qui est là. Corée, c'est à toi de réagir. Alors moi j'aimerais bien escalader le toit de la maison pour me mettre en hauteur. Tu peux me faire un jet de sauvegarde, un jet de dextérité, d'acrobatie. Pour y aller. D'acrobatie, ouais. Non, tu vas. En fait, tu vas essayer de grimper, mais la maison est un peu en piteux état. Et quand tu vas essayer de grimper, t'as des lattes de bois qui s'écroulent. Et en fait, tu vas pas réussir à grimper. Ok, bon bah, pas de problème.
Attends, j'ai encore combien d'emplacements de sort? Emplacements de sort. J'en ai encore un. J'en ai encore deux. Non, pas de marque du chasseur. Bah les couilles. Pack. Lui, ouais. Je le vis. Vas-y. Et je lui fais une attaque. J'ai plus l'avantage de Vince Cold. Je crois. Non, c'était le tour d'avant, tout à fait. Le truc, c'est que tu n'auras pas ta deuxième attaque car tu as pris une action pour essayer de monter sur le toit, hein, quand même. Et tu touches celle-là, tu touches à 15, ça touche normalement. Il te reste par contre ton action bonus. Si tu le souhaites. Je peux pas essayer de monter. Si tu veux. Je vais essayer sur le côté de la maison cette fois-ci. Ok, refais-moi un jet de dextérité. Enfin d'acrobatie. Ok. C'est acrobatie, ouais. Ah. Ouais, better. Là pour le coup tu grimpes sans problème. Hop là, voilà, c'est juste pas le bon mur. C'est ça. Très bien, Vince Colt, c'est à toi. Bah écoute, je vais faire exactement la même chose que d'habitude. Hop. Donc. Deneb joue après moi. Deneb n'a encore rien fait. Je vais me mettre à moitié derrière l'espèce de truc là. En essayant de taunt un peu la bestiole, viens me chercher. Et je redis mon action et je glisse derrière un Deneb. Démonter. Deneb a également un avantage. C'est jusqu'à mon prochain tour, ouais. C'est peut-être pas une bonne idée, mais je ne suis pas censé savoir ce que tu vas faire. Pas à chaque combat depuis le début, mais. Ok. Il va sortir un doigt. Il va sortir deux doigts. Ah non, c'est à moi de jouer ou t'as fini? Oui, j'ai fini, ouais, j'ai redit mon action. Écoute, moi je me précise par là. Est-ce que ça vaut le coup de péter un sort vu qu'il reste rien? Enfin, je sais pas. Parce qu'il reste derrière, donc moi je vais utiliser ma stratégie qui marche depuis le début et qui a l'air de faire chier Renault, donc c'est le français. Bah non, ça me fait pas chier, pourquoi? Que je ne traduis la moitié de tes gars à chaque fois. Bah ça raccourcit vachement les combats, donc c'est pas faux. Et ben même stratégique que tout à l'heure, parce que après tout je suis quelqu'un de relativement logique et stratégique, enfin des mêmes en tout cas, et je vais viser les deux bus qui sont là-bas parce que et ils vont se prendre les fameux motifs hypnotiques, et il y en a un qui a réussi toutefois. Ouais. Mais il y en a un qui est endormi. Pas lequel a réussi, mais. Alors attends. Celui qui a. Ah, pardon. Facile à voir. Celui qui a réussi, c'est celui qui est le premier, celui qui a pris des dégâts déjà. D'accord. Celui qui est devant. Très bien. Et en action libre, je lui dis à Vincol, désolé, mais il fallait que j'essaye de les neutraliser. Ok. C'est à Aldi. Être utile. On a le choix. Aldi, il va faire ce qu'il sait faire de mieux. Taper. Et après, il va essayer de récupérer son bouclier. Taper. Ah, tu tapes, mais tu tapes en fait sur la carapace qui est assez dure et tu n'arrives pas à la percer. Ouais. Je vais retaper. Oh, ouais, enfin, hey, vous extasiez le pas critique. Sur des vins naturels, vous faites des critiques depuis tout à l'heure avec la règle des 10. Hein. Oui, mais c'est ouais. Plus joli avec un vin naturel. Lance ton dé de dégâts supplémentaires. Alors tu n'as pas besoin, parce que pour le coup tu viens de tuer celui-ci, celui qui est en face de toi. Ouais, s'il fait beaucoup de dégâts, ça serait pas percuté sur celui de derrière. Hein. Non, c'est une épée. Il frappe tellement fort que ça fait une lame de vent. Et du coup, je vais chercher mon bouclier. Ok. Ouais, ça bug un peu des fois, faut sélectionner autre chose. Hein, je chope mon bouclier, est-ce que je peux te taper avec... Non, ça va te prendre ton action bonus de te rééquiper du bouclier. Ok, j'ai mon bouclier, je me prépare à taper. Ok, et ben. Qu'est-ce que je veux dire? Au fait, j'ai regardé la règle, se tenir prêt sur le site de Héros Dragon, il précise pas que si tu fais une attaque, tu puisses pas faire ta double attaque.
la prochaine fois, tu pourras. Je pense que la règle n'indique pas que tu puisses pas faire de double. Je fais 19 pour te toucher. Moi ? Aldin, pardon, ouais, excuse-moi. Tu te prends 15 points de dégâts. Ça touche pas souvent, mais quand Ouh, ça touche. Désolé, on va au cac avec celui qui s'est réveillé. Ah, bah lui, il va se prendre une attaque. Enfin, je vais faire des choses. Allez. Alors, est-ce que t'as un bouclier ou est-ce que je t'annonce juste le jet sur le dé ? Ou un truc dans le genre. Qu'est-ce que j'ai ? Non, j'ai pas de conneries comme D'accord, ça. Sur... Je fais 24 pour moi-même. Toucher. Et tu te prends 14 points de dégâts. Allez, et la santé. Il fait ton attaque. Moins 14. Ça a marché. Oui, ça a marché. Et donc, je lui fais ma petite attaque. Alors, je le sélectionne d'abord. Est-ce que ça va marcher ? Ah oui, ça a l'air. Ouais, marché. Ça a l'air, il y a le petit point de. Ça touche. Ça fait un 17 pour toucher. Donc, je lui fais 6 dégâts radiants. Et je fais ma deuxième attaque. Non, pardon, on a dit qu'on pouvait le faire. Donc, tu on fais 23, ça n'est pas un critique. Non. C'est un critique ou pas 23 donc, je lui ai uniquement fait 9 dégâts en tout. Mais je suis quand même content de moi. C'est pas trop mal, ouais, effectivement. Tu fais autre chose ? Non. Ok. Et l'autre est en train de dormir, donc c'est à Corée. Yes, I. Bah écoute, vu que Aldin a l'air de bien se débrouiller pour l'instant, je vais plutôt aller aider là les deux. Donc je vais viser son hauteur, etc. Celui qui est au contact de Vince Cold ? D'Aldin. Tout à fait. Tout à fait, celui au contact de Vince Cold, okay. Tout à fait. Arc long, bah non, t'es devant, enfin je peux pas te toucher. Deneb, il y a plus de chance. Bah non, c'est pas possible que je puisse toucher Deneb. Bah si tu fais un fumble, tout est possible. Là. Oui, fumble, tout est possible. Alors, sauf si. C'est bon, tout va bien. Ça touche. Mais sauf si ça ricoche effectivement sur la carapace. Ça peut ricocher sur la carapace. Non, ça ricoche pas sur la carapace. Ça vient de se planter. Voilà. Les dégâts ont été déduits. 10 dégâts perforants. Ah, c'est bien quand vous sélectionnez la vache. Eh bien. Ça, j'ai plus besoin de calculer. Eh bien, c'est parfait. Mais comme j'ai une double attaque, je rebande mon arc. Retipar. Là, on est sur du bon critique, mais pas besoin car tu viens de l'échouer. Allez. Il en reste que donc deux. Genre, c'est mode. Mode trop. C'est beau gosse et tout. Genre, je glisse à moitié sur les tuiles et genre. Légolas. Toujours les glaces. La référence. Tu as fini ? Tout à fait. Eh bien, c'est à Vince Cold. Est-ce qu'on considère que je peux quand même aller au cac malgré le cadavre de l'autre machin ? Oui, bien sûr. Ça fait 9 mètres tout pile. Ok, et eh ben je viens au cac. Je fais un petit signe à Aldin en mode hey, moi aussi je me tape. Et je lui fous donc. Je lui fais ma double attaque. Ah merde, je l'ai pas sélectionné cette fois. My bad. Ok. Très bien. Donc ça fait 9 dégâts sur le monsieur et je le sélectionne cette fois pour ma deuxième attaque. Ça touche. Qui fait 19 à nouveau. J'ai refait rigoureusement la même chose sur mon attaque et sur mes dégâts. Très bien. La probabilité est quand même assez faible. Je ne fais rien d'autre. Voilà, c'était bien. Parfait, c'est à Deneb. Bon, Deneb, il va avancer jusque là, à peu près, en montant un peu sur le cadavre du Gus. Et, pour pouvoir viser au-dessus de Vince. Au-dessus de Vince Cole, Inch'Allah. Et balancer un rayon de givre. Je me suis fait un grub whisky. Ah, bah non, fait... c'est avec du rhum, les 3 points de dégâts. Mais je n'ai plus de rhum. 3 points de dégâts, c'est pas extra, mais bon, non, c'est 3 points de dégâts. Ça touche en tout cas. J'ai participé. Tu fais autre chose ? Je Alors Aldin, c'est à toi. N'oublie pas de sélectionner le token quand tu fais tes attaques. Tu n'as pas sélectionné le token. Mais si, j'ai sélectionné non, le token. Bah non. Avec la cible, avec le target. Pas quoi comme ça. Là j'ai touché non ? Tu as touché, ouais, tout à fait. Ah ouais, ok, j'ai compris comment tu... Voilà, là, tu l'as sélectionné. Ah, le décasser. Et tu l'achèves. Tu l'achèves. Je vous laisse. Je vous laisse tomber les celui qui reste, puisque vous l'achevez sans problème, bien évidemment. Tout à fait. Des boîtes là. Parfait.
Là, pardon. Je voulais vous montrer. Juste avant de repartir, je prends quand même le temps de me soigner un peu, Corée. Oui. Donc tu reprends 10 points. 10 points? 10, ouais. Oh putain, c'est bien, et, merci. Cher de mémoire. Oui. Non. Hein, t'as pris cher aussi? Ouais. Aldine? Ça va. Enfin, ça va quoi. Bon bah, je te redonne 5 points, allez. Oh. Très bien. Que faites-vous ensuite? Donc vous avez réussi à éradiquer, vous avez, vous voyez les quelques artisans qui sortent de la zone. Les soldats. Alors attendez, parce que sinon c'est pas drôle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais lancer 1 des 6. Ah, et bien dans la bataille, malheureusement, il y a 3 unités qui ont péri. Ah ouais. 3 unités. 3 sur mon D6. Oh, ça fait beaucoup. Oh la vache. Ça fait une opération blanche. Essayer de les sauver et on est arrivé avec 3 bus et on part avec 3 bus. Bah on aurait mieux fait d'aller directement à la forteresse. Mais il vous reste en tout cas il reste 3 unités les artisans, donc c'est déjà. Exactement. Non, il y a le... vous avez. Non, t'oublies l'XP aussi. C'est vrai. Il n'y a pas d'XP. C'est vrai. C'est ça. L'héroïsme, il file à la forteresse. Vous partez tous à la forteresse? Ah ouais. Enfin, c'est ce que je suggère fortement. 1, 2, 3. Bon, pourquoi? Vous aviez pris 3 unités avec vous, c'est bien ça? Donc vous avez ramené 3 unités supplémentaires. 3 unités, voilà. Ouais. Oui, c'est oui, ça. C'est ça. Ok. Alors on va pas dans les ruines, qu'en vrai il n'y a rien de spécial à protéger, mieux vaut. Attends, plus. Plus que. En tout. Bah non. On était parti avec 6. Vous étiez parti avec 4 unités, c'est ça? Non, on est parti avec 4. Ouais, on en avait envoyé 3 et on était parti avec juste les dryades. On en avait sauvé 6, 3 au château, on était reparti avec 3. Donc en tout. Alors, il y en a 3 supplémentaires que vous aviez sauvés. Dans la première zone, au camp d'entraînement. On en a en 6, justement, puisqu'on en a envoyé 3. La dryade est morte. Ça, j'enlève. La dryade, on a sauvé 6 mecs chez les artisans. On en a renvoyé 3 au château, à la forteresse. Déjà, ça fait plus 3. Et ensuite... Mais vous en aviez en envoyé 3 chez les artisans. Et on avait envoyé 3 chez les artisans. Cela, donc, en fait, les 3... Non, en fait, les 3 qui étaient chez les artisans, ce sont les 3 qui sont revenus, parce qu'il y en a 3 autres qui sont morts. Donc ça, c'est une opération neutre. Par D'accord. contre, sur la première, vous êtes parti avec seulement la dryade. Une dryade. Et vous aviez... 6 mecs. Vous aviez sauvé 6 mecs là-bas. Donc, il m'en manque 3. Donc du coup, on a plus 6, je crois. Voilà. Donc en fait, vous avez ça comme soldat supplémentaire. Ça, c'est cool. Ça, c'est stylé. C'est stylé. Et qu'est-ce que vous faites du coup? Du coup, on regarde un petit peu aux alentours de la forteresse, voir si ça s'agite ouais, quelque part. Ça s'agite au niveau des ruines. Ça s'agite au niveau des ruines, au niveau du temple. Et ça commence à s'agiter au niveau du passage principal. Au niveau de la cour principale, vous voyez que les meutes de loups et les soldats. Oh. Ah, on a juste changé de map. Oh. Mais on voit rien pour l'instant. Ah, oh, c'est joli. Oh, c'est... Voilà, donc vous voyez, des créatures comme ça avec des wargs et des diables en tout genre qui commencent à s'emmagasiner sur la route principale, la route que vous n'arrêtez pas de prendre et qui prend la direction de la porte. Mais bon esprit. Voilà. Bon esprit.